Donc, comme je venais de dire tantôt, vous avez votre fil comme ça. Donc, le champ qui sera créé par un fil infini chargé, donc retenez ça, que le fil soit sur un axe ou pas, on vous donne le fil n'importe comment, mais vous, vous devez savoir que si le fil est comme ça, chargé uniformément, lambda positif ou négatif, ça, c'est pas important, et que vous avez le point M n'importe où dans l'espace, donc on vous demande, donc, on vous donne le fil comme ça, sans autant orienter le fil, sans autant mettre le fil dans un axe, etc. Donc, vous devez savoir que si j'ai le point M et que je fais la projection orthogonale du point M sur l'axe du fil, donc je cherche la projection orthogonale du fil sur l'axe, en prenant un point M, un point P, si tu as une égale distance, je vais chercher sa symétrie P', parce que le fil est uniformément chargé. Donc du coup, ce point P peut créer un champ comme ça, qui sera orienté comme ça. Et l'autre point, toujours la symétrie va créer un champ aussi comme ça. Donc, j'appelle ça D de E. Et ça, D de E prime. Et ça, la raison de symétrie qui impose que, en faisant la décomposition de ces deux vecteurs, on verra que le champ est toujours orthogonal à l'axe du fil chargé. Donc E, le champ créé par un fil infini, chargé uniformément, donc avec lambda positif ou bien lambda négatif, le champ reste toujours orthogonal à l'axe du fil. Donc, c'est des questions qu'on peut vous poser à l'examen. Vous retrouvez la direction du champ créé par un fil infini par raison de symétrie. Et vous vous dites que par raison de symétrie, en montrant ce que je viens de vous dire, vous pouvez montrer effectivement que le champ créé par un fil infini est toujours orthogonal au plan du fil. Donc, ou bien à l'axe de ce fil. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple donc, pour le cas d'un fil infini. On peut regarder pour le cas d'une sphère. Donc, on peut regarder pour le cas d'une sphère. Je pense qu'on l'a fait aussi l'année dernière. Champ créé par une sphère, donc chargé uniformément en volume. Vous avez fait ça en appliquant la méthode du théorème de Gauss. Si vous vous rappelez bien, vous avez utilisé. Donc, on va faire application donc la sphère. Application de la sphère. On va faire l'application de la sphère chargée en volume. Chargé en volume. Voilà. Donc, si j'ai la sphère comme ça, donc j'ai ma sphère, elle est chargée uniformément en volume. Maintenant, il faut avoir un peu la vision dans l'espace. Donc, la sphère, elle est là, uniformément chargée en volume. Donc, cela veut dire qu'en tout point, on a les mêmes types de charges. Donc, la sphère est uniformément chargée en volume. Maintenant, puisque la sphère, elle est là, donc de rayon grand R que j'ai noté tout à l'heure, donc la sphère est uniformément chargée en volume, cela veut dire qu'en tout point de la sphère, on a les mêmes types de charges. Aussi. Donc, en tout point de la sphère, on a les mêmes types de charges. Donc, la sphère est uniformément chargée en volume de rayon, donc de rayon grand R. Voilà. Maintenant, cela veut dire quoi? Ici aussi, on va être très simple. Donc, retrouver la direction du champ créée donc, par une sphère chargée en volume. Donc, j'ai la sphère devant vous. La sphère, elle est là. Chargé en volume de densité rho. Donc, je mettrai rho plutôt en rouge. Vous montrez que donc, les charges sont en rouge. Donc, rho, c'est la densité volumique de charge. Donc, la sphère a un rayon grand R. Mais on demande de retrouver le champ créé. Supposons que l'axe OR de la sphère est donné. Donc, l'axe OR de la sphère, elle est donné. Donc, l'axe OR de la sphère, elle est donné. Donc, OR. Donc, le centre O. Donc, on vous plaque face directement à cette sphère-là, on vous dit retrouver la direction du champ créé par cette sphère. Donc, est-ce que la direction, donc, si j'ajoute l'axe
un axe comme ça, donc qui est orthogonal, c'est pas important. On sait que la sphère toujours a un axe, donc soit l'axe OR, orienté dans ce sens, ou bien dans ce sens, ou bien dans ce sens, dans n'importe quel sens. Le sens, c'est que si on vous donne, donc ça, selon la direction de l'axe OR, où sera dirigé le champ? Est-ce que le champ va être perpendiculaire à l'axe de la sphère? Est-ce que le champ va être parallèle à l'axe de la sphère? Ça aussi, c'est la raison de la symétrie qui va nous le donner. Donc, la sphère, elle est chargée uniformément en volume. En tout point de la sphère, on a les mêmes types de charges. Cela veut dire quoi? On va appliquer aussi le même principe. Donc, si je viens dans la sphère, puisque la sphère est chargée uniformément en volume, je prends un élément de volume D de V1 ici. D de V1. Je vais nommer ça l'élément de volume D de V1. Donc, il contient une certaine quantité de charge. Et cet élément de volume D de V, donc, si tu as une distance donc, donnée du centre, puisque la sphère est uniformément chargée aussi, je retiens bien que la sphère est uniformément chargée, on peut retrouver aussi la symétrie de l'élément de volume à l'intérieur de la sphère. On peut trouver sa symétrie aussi, que je vais appeler ici D de V prime. Donc, je vais mettre ça D de V. Et ça, je vais appeler D de V'. Donc ça, ne vous souciez pas le fait qu'à chaque fois que je prends leur symétrie. Pourquoi? Parce que si l'axe de la sphère, on sait que l'axe de la sphère passe au milieu de la sphère. Donc passe par le centre, autant pour moi. Donc l'axe d'une sphère passe toujours par le centre de la sphère. Donc si je prends un élément qui est au-dessus de la sphère, donc au-dessus de l'axe, je peux retrouver sa symétrie qui est en dessous si tu es à égale distance du centre de la sphère. Ça, c'est logique. Parce qu'on a dit que la sphère est uniformément chargée en volume. Donc, ρ égale à une constante dans l'exercice. Donc, on va considérer qu'en tout point, on a les mêmes types de charges. ρ égale à une constante, c'est OK. Donc, je trouve l'élément de longueur d de v. Je peux trouver sa symétrie d de v prime. Donc, du coup, si j'ai un point M sur l'axe, ou n'importe où sur l'axe, donc, si je place le point M ici, le point M est là, sur l'axe, je pense qu'en appliquant toujours la symétrie, l'élément de longueur d de v crée un champ ici qui va être orienté dans le sens là. L'autre élément de longueur aussi va créer l'autre élément de volume va créer un autre champ qui est la symétrie dans ce sens là. Donc du coup, on verra aussi pour les mêmes raisons la composante de ces donc la somme de ces deux champs va être toujours dans le plan dans l'axe OR sur l'axe OR autant pour moi. Donc, même si je change la direction de l'axe, le champ créé par une sphère est toujours radial. Donc, le champ résultant, E total, D de E total, est toujours dans, donc, est toujours sur donc, la partie radiale de l'axe. Donc, sur, je veux dire l'axe de la sphère. Donc, le champ créé par une sphère est toujours radial par raison de symétrie. Le champ créé par une sphère chargée uniformément, quand créée par une sphère chargée uniformément, est toujours radial. Donc, suffisamment en volume, est toujours radial. Même si c'était en surface, c'est toujours radial. Pour vous mettre un peu plus à l'aise, même si je change la direction de l'axe, au lieu d'orienter l'axe dans le sens là, parce que l'axe, ça dépend de l'exercice, on peut l'orienter n'importe comment. L'axe peut être orienté comme ça. Ça ne change absolument rien. L'axe, au lieu de l'orienter aussi comme ça, au lieu de l'orienter comme ça l'axe, ou bien comme ça l'axe, ça importe peu. De toute façon, l'axe OR, on aura un seul axe OR pour la sphère. Soit ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Donc, on choisit. Donc, dans un, on va donner qu'une seule orientation, on veut une seule direction de l'axe OR. Mais moi, je vous donne plusieurs possibilités. Si l'axe est dans ce cas, on prend un élément de volume ici et là, symétrique par rapport à l'axe, on fait la symétrie, le champ est toujours radial. Si l'axe est là, vous prenez un élément de volume ici, un élément de volume là, vous faites la symétrie, vous verrez que le champ est toujours radial.
si l'axe est là, vous prenez un élément de volume là, un élément de volume là, vous prenez la symétrie, vous trouvez que le champ est toujours radial. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que le champ créé par une sphère, par raison de symétrie, est toujours radial. Autrement dit, est toujours suivant la direction de l'axe OR, je dis bien, de l'axe OR de la sphère. Que ce soit une distribution sphérique, une distribution volumique ou surfacique, le champ créé par une sphère uniformément chargée est toujours radial. Autrement dit, le champ E, si vous le faites, vous verrez que le champ E égale à E, E de R. Donc, le champ est toujours suivant la direction du vecteur radial ER. Voilà. Maintenant, c'est important de savoir, et vous voyez bien, depuis que j'ai commencé à vous expliquer la notion de symétrie, je n'ai pas parlé de coordonnées. Autrement dit, je n'ai pas parlé si le champ dépend de X, ou bien dépend de R, ou bien dépend de Z, ou bien dépend de K. Moi, tout ce que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, c'est la direction du champ électrique. Je ne parle pas pour l'instant de variables. C'est la raison pour laquelle je veux attirer votre attention. La symétrie des charges ne nous donne que la direction du champ électrique. Elle ne nous donne pas si le champ dépend de X, ou bien elle dépend de, il dépend de Y, ou bien il dépend de Z, ou bien de θ, ou bien de alpha. Non. La symétrie nous donne uniquement la direction du champ électrique, ou bien du champ magnétique. Donc, retenez ça. Depuis tout à l'heure que j'ai fait l'explication, je n'ai pas parlé de si E dépend de X ou bien de Y. Voilà. Donc, on peut faire aussi d'autres raisonnements avec le cylindre, etc. Mais on va faire des applications. De toutes les façons, je vais vous donner des exercices aussi, ou bien on va avoir les exercices qui sont dans les anciens examens. On va les traiter. Voilà. Mais retenez déjà que c'est comme ça qu'on procède pour retrouver la notion de symétrie. Donc, et le point qui est important ici, c'est de savoir que la symétrie nous donne uniquement la direction du champ électrique. Elle ne nous donne pas, ou bien elle ne nous donne pas d'informations sur si le champ est dépend de X, ou bien dépend de Y, ou bien dépend de Z, etc. Voilà. Donc, et sur ce, la question que vous allez vous poser, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui va nous donner la direction du champ? Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir si le champ dépend de X, ou bien de Y, ou bien de Z? Donc, parce que le champ, on doit savoir sa direction, et on doit savoir aussi la variable dont il dépend. Donc, la symétrie règle le problème de la direction. Mais par contre, l'invariance des charges nous donne la variable dont dépend le champ. Donc, vous avez entendu parler dans le cours de symétrie et invariance. Donc, la symétrie nous laisse juste, ou bien nous permet de voir la direction du champ. Mais par contre, l'invariance des charges nous donne la variable dont, ou bien les variables dont dépend le champ électrique. Donc, pour être plus clair, on va parler de l'invariance des charges. Invariance des charges. Donc, si on parle d'invariance des charges, c'est par rapport, donc, ici, aux coordonnées. Donc, c'est par rapport aux coordonnées. Donc, invariance des charges, par rapport aux coordonnées. Parce que si on parle des invariances des charges, il faut tenir compte du système de coordonnées qu'on a. Si on a un système de coordonnées cartésien, sphérique, cylindrique, etc. Maintenant, je vais prendre l'exemple du plan infini. Donc, un plan infini. Je pense que le TD de l'année passée, on a donné un exercice sur le plan infini, mais on l'a expliqué autrement parce que vous n'avez pas encore vu la notion de symétrie. Donc, j'ai un plan infini chargé en surface. Plan infini chargé uniformément en surface. Donc, je vais dessiner un plan.
Donc, j'ai un plan comme ça. Donc, supposons que je pense que le plan est donc dans le plan chargé est là et confondu avec le plan X ou Y. Donc, je mets d'abord les charges pour vous montrer. Donc, voilà les charges, je suis dans le plan. Donc, les charges sont là, chargées uniformément en surface, le plan infini, de densité de surface X sigma. Voilà sigma. Et ça, sont les axes. Là, je suppose que j'ai l'axe. Ça, c'est OX, OY, OZ, avec le vecteur unitaire IJK. Donc, le plan est là, hein, infini, chargé en surface. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, je vais évoluer un peu. On va d'abord chercher la direction du champ E. Est-ce que le champ est orienté suivant X? Est-ce que le champ est orienté suivant Y? Est-ce que le champ est orienté suivant OZ? C'est une question qu'on doit se poser, nous tous. Donc, retrouver la direction du champ d'abord. Est-ce que le champ, donc, on a E qui est donné comme ça, E de X, Y, Z, qui est naturellement au début, E de X, Y, Z, plus E de E. Bon, attendez, je vais mettre ça là, comme ça on va gagner plus d'espace. Je vais mettre ça en bas. Normalement, dans l'exercice, on vous donne E qui dépend de X, Y, Z à trois composantes. L'une des composantes dépend de X, Y, Z et orientée suivant EX, si vous voulez, plus E qui dépend de X, Y, Z, qui est suivant EY, et E qui dépend de X, Y, Z, et qui est suivant EZ. On vous plaque comme ça, l'exercice, on vous donne le plan, on vous demande de retrouver la direction du champ et la variable dont dépend le champ, autrement dit l'invariance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver les plans de symétrie en utilisant les axes. Donc, on a un système de coordonnées OX, OY, Z, c'est un système de coordonnées cartésien. Donc, est-ce que le champ est orienté suivant OY? On ne sait pas. Est-ce que si le champ est orienté suivant OX? On ne sait pas. Est-ce que si le champ est orienté suivant OZ? On ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire, on va essayer de trouver la direction en appliquant la symétrie des charges. Maintenant, ici, on va essayer d'avoir un peu une vision dans l'espace. Il faut regarder un peu dans l'espace, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça, c'est dans le plan. L'axe OZ est perpendiculaire au plan. L'axe OX et OY sont dans le plan. Maintenant, je vais essayer de vous montrer les plans de symétrie. Donc, je trace une droite qui est parallèle à l'axe OZ et perpendiculaire à l'axe OX. Et je place une droite qui est parallèle à l'axe OY et parallèle à l'axe OX et qui continue. Ça aussi, j'ai fait continuer cette partie dans l'autre direction. Qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, je vais couper ça comme si je coupe le plan en deux parties. Comme ça, c'était un filet, donc une barrière que j'ai dessinée en rouge qui divise le plan en deux parties, hein, et passant sur l'axe OZ. X. Donc, je vais nommer le plan là, X, O, Z. Donc, le plan X, O, Z. Si on le regarde bien, le plan X, O, Z, à gauche, donc derrière le plan ici, donc derrière le plan à gauche là, et devant le plan à droite, les charges ne changent pas. Sur toute la surface, mais dans toute la surface du plan, on a tout est bleu. Tout est bleu. Donc, on voit bien, je vais vous montrer que tout est bleu. La densité surfacique, donc, elle est là. Tout est bleu dans le plan infini. Donc, si je suis avant l'axe OX et après l'axe OX, ou bien sur l'axe OX, je regarde à ma gauche,
Et je regarde à ma droite, je vois tout bleu. Autrement dit, je vois, par exemple, tout est bleu, donc rien ne change. Donc le plan est infini. Donc, si une personne est là, pour être plus simple ou bien plus détaillé, donc si je place une personne ici, qui est là, et une autre qui est ici, ces deux personnes-là se situent de part et d'autre de ce que j'ai mis en rouge, qui divise, donc je veux dire que l'axe OX, qui les sépare. Donc j'ai mis donc une bâche ou bien des filets ici pour les séparer. Les deux personnes-là voient les mêmes types de charges dans la surface. C'est-à-dire que là où elle est cette personne-là, les charges sont bleues. Là où est cette personne-là, les charges sont bleues. Cela veut dire quoi? Le plan-là, l'axe OX et l'axe OZ, donc si je considère le filet en rouge là, parce que je cherche les plans selon le système de coordonnées. Donc je répète, quand je cherche les plans de symétrie, je dois tenir compte aussi du système de coordonnées. Donc le plan X, donc ce sont des plans, le plan XOZ qui sépare les deux personnes, le plan XOZ qui sépare les deux personnes est un plan de symétrie. Parce que chaque personne, donc on est sur les mêmes types de charges. Donc on est resté debout sur les mêmes types de charges. Donc de part et d'autre du plan XOZ, donc le plan là, on a les mêmes types de charges. Donc cela veut dire que le plan XOZ est un plan de symétrie pour les charges. Donc, j'avoue qu'au début, ça peut être un peu confus, un peu complexe, mais essayez de regarder ça comme dans un terrain de football, tout est gazon, donc tout est gazonné en vert. Maintenant, on met au milieu, au centre du terrain, donc une bâche qui sépare les deux parties du terrain. Donc, une bâche qui passe par le centre du terrain de foot. Maintenant, si une personne est à gauche, donc sur une partie du terrain et une autre personne sur l'autre partie, mais les deux personnes sont restées debout sur le même gazon. Donc tout reste toujours vert. Donc les gazons ne changent pas de couleur. Si les gazons représentent les charges, donc moi, je suis sur l'autre côté du terrain, la personne est sur l'autre côté, mais on est resté assis sur les mêmes, on est resté debout sur les mêmes gazons. Donc on est même sur la même couleur verte du gazon. Donc la couleur n'a pas changé. Donc on est sur les mêmes charges. Sur les charges identiques, de même nature. Donc, on va dire aussi que la bâche qui divise le terrain en deux est un plan de symétrie. Donc, la bâche verticale qui sépare les deux terrains est un plan de symétrie. Donc, il faut regarder aussi la bâche comme si l'axe XOZ. Donc, ce que j'ai mis en rouge là, donc qui traduit l'axe XOZ, le plan XOZ, est un plan de symétrie pour les charges en bleu. Donc, je vais écrire simplement que XOZ est un plan de symétrie. est un plan de symétrie. Donc cela veut dire quoi? Si le plan XOZ est un plan de symétrie, je vous avais dit au début que si on a un plan de symétrie, le champ appartient au plan de symétrie. Donc j'avais dit ça au début de la leçon. Donc du coup, j'ai dit bien que le champ appartient toujours au plan de symétrie des charges. Donc si on trouve un plan de symétrie, on doit se dire que le champ est dans ce plan. Donc, on va dire quoi? Cela entraîne que E, le champ E, appartient au plan XOZ. Voilà. Donc, le plan E appartient au... Le champ E appartient à ce plan-là, XOZ. Il est dans ce plan. C'est OK. Maintenant, on va effacer pour ne pas surcharger donc, notre figure. On va chercher d'autres plans de symétrie. On va chercher d'autres plans de symétrie. Donc, on a retrouvé un plan. Voilà. On a retrouvé un plan tout à l'heure. Maintenant, on va chercher un autre plan de symétrie. Donc, selon les autres axes, Y, Z, etc. Voilà. Voilà, on va chercher les autres plans. Maintenant, on avait utilisé XOZ. On peut chercher aussi un autre plan avec les axes. Regardez bien. Je peux prendre le plan là. Je peux chercher. Donc. Je vais prendre le plan là. YOZ.
Donc, je vais dessiner donc le fil. Donc, une bâche ou bien un... Donc, voilà ça. Donc, ça aussi, ce plan-là est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis tantôt, suivant la direction OZ, je peux placer sur l'autre côté, tu peux être là, une autre personne est après la direction OY. Donc, on voit toujours les charges bleues. Donc, le plan est infini, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, tout ce que je vois avant est identique à tout ce que je vois après. C'est infini, c'est comme la mer. Donc, si je suis dans la mer, je vois tout est bleu. Donc, l'eau de la mer ne change pas, tout est bleu, tout est uniforme. On pense que c'est l'infini. Donc, tout ce qui sépare, donc l'axe OY qui sépare les deux points-là que j'ai choisi dans le plan, donc on voit de part et d'autre les mêmes types de charges. Tout est uniforme. C'est pourquoi je suis dans l'obligation aussi de tenir compte de la direction, les axes que j'ai mis dans le plan. C'est pourquoi je cherche les plans de symétrie par rapport aux axes qui sont dans le plan. Donc, YOZ aussi est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que de part et d'autre de ce plan, de part et d'autre, on voit toujours des charges qui sont bleues. On ne voit pas de changement de couleur, ni rien d'autre. Tout est bleu de part et d'autre. Donc, c'est infini. C'est infini. Je rappelle que le plan est infini. C'est pourquoi je l'ai mis. C'est infini. C'est comme si ça ne change pas. Tout est infini, tout est identique. Donc, le plan YOZ est un plan de symétrie. Donc, YOZ est un plan de symétrie. Est un plan de symétrie. Voilà. Maintenant, si on connaît deux plans de symétrie, on peut au moins retrouver la direction du champ électrique. Et je vais vous montrer. Donc, on connaît les deux plans de symétrie au moins. On a montré que YOZ est un plan de symétrie. On a montré que XOZ est un plan de symétrie. Donc, je vais mettre ça en jaune. Je vais ajouter l'autre plan en jaune. Comme ça, on va essayer de regarder de près. Donc, le plan là que je vais dessiner tout à l'heure, YOZ, est un plan de symétrie. Ce plan là. Ce qui est en jaune là, XOZ et YOZ sont deux plans de symétrie. Mais on a vu que le champ appartient aussi, donc YOZ est un plan de symétrie, cela veut dire aussi que E appartient à YOZ. Mais, la question que je pose, peut-être vous allez répondre après, le champ appartient à la fois à ces deux plans. Le champ appartient à XOZ, il appartient aussi à la fois à YOZ. Mais où est la direction du champ électrique? Donc, la seule possibilité qu'on a pour retrouver la direction du champ, il faut regarder quel est l'axe qu'ils ont en commun, les deux plans. Quel est l'axe donc, que les deux plans ont en commun? Effectivement, les deux plans ont en commun l'axe, donc je vais mettre ça en vert, ont en commun l'axe OZ. Voilà l'axe qu'ils ont en commun. Regardez bien, j'ai montré au début que XOZ est un plan de symétrie. E appartient à XOZ. On a l'axe OZ qui est là. On a dit que YOZ est un plan de symétrie. E appartient à YOZ. On va montrer aussi OZ revient aussi dans le même plan. Ah, donc, ce qu'ils ont en commun, comme axe, va donner la direction du champ électrique. Ok, donc il y a quelqu'un qui a prisé comme terrain de tennis. Voilà, merci. Tu as compris, Diallo. Comme terrain de tennis, voilà. Donc, les filets qui séparent le terrain de tennis, les deux joueurs sont sur le même terrain. Voilà, merci comme exemple que tu as donné. Voilà, merci. Donc ici, les deux plans, YOZ, au moins, est un plan de symétrie. XOZ est un plan de symétrie. Mais le champ doit appartenir à la fois à ces deux plans de symétrie.
Et la seule condition est que le champ est suivant la direction OZ. Donc ici, puisque E doit appartenir à l'intersection, E doit être à la fois dans ces deux plans. Et la seule possibilité est que E est orienté suivant, donc E égale à E de Z. Donc E, non, plutôt, attends, j'enlève ça, parce que E dépend d'abord de X, Y, Z. E, donc, ne dépend ni de Y, n'est orienté ni suivant E, Y, ni suivant E, X. E est sur la direction OZ. Pourquoi? Parce que c'est la seule condition pour que le champ soit dans les deux plans. Si E n'est pas suivant la direction OZ, il ne peut pas être à la fois dans les deux plans. Mais s'il est suivant la direction OZ, forcément, il est dans les deux plans. C'est pourquoi E de X, Y, Z égale à E de X, Y, Z, E, Z. Donc, on a éliminé. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. Excusez-moi. Ça, c'est zéro. Donc, le champ, finalement, est orienté suivant la direction du vecteur EZ, qui est l'axe suivant la direction OZ. Donc, on a, par raison de symétrie, on a éliminé. Donc, on a retrouvé la direction du champ électrique. Maintenant, la question que vous allez poser peut-être, quelle est la variable dont dépend le champ? Est-ce que le champ est suivant X? Est-ce que le champ dépend de Y? Est-ce que le champ dépend de Z? Donc, pour répondre à ça, on va utiliser maintenant le système ou bien l'invariance des charges. Donc, on sait la direction c'est EZ. Maintenant, est-ce que le champ dépend de X ou bien de Y ou bien de Z? Donc, je vais effacer et on va ne pas charger la figure. On va simplifier. Donc, le schéma, voilà. On va refaire le schéma d'une manière beaucoup plus simple et essayer de retrouver, voilà, les deux, donc les variables dont dépend le champ électrique. Voilà. Voilà, voilà nos la distribution de charge. Donc on va préciser donc les axes. Là c'était le, ça c'était l'axe. Ça c'était l'axe OX. Ça c'est l'axe OX. L'axe OY. Non, l'axe OZ autant pour moi. Donc ça c'est OX Y Z. Voilà. Maintenant, on va regarder maintenant. Donc, n'oubliez pas, on note le fait que le plan est infini. Le plan est infini. Ici, le plan, le mot infini joue un rôle très important. Donc, aussi, tenez compte, il y a une différence si le plan est infini et si le plan n'est pas infini. Parce que les considérations qu'on va tenir si le plan est infini, ces considérations-là sont différentes si le plan n'est pas infini. Donc, en d'autres termes, si on parle d'infini, c'est quelque chose qui n'a pas de limite en réalité. Donc, on voit partout où nous sommes, en tout point dans l'espace où nous sommes, on voit les mêmes choses. Donc, le plan est infini et chargé sigma. Tout est bleu dans l'infini. Dans toutes les directions, on voit tout est bleu. Maintenant, on va appliquer ce qu'on parle d'invariance. Invariance veut dire que, est-ce que si on prend un coordonnée de, donc du repère, soit X, Y ou Z, est-ce que les charges vont changer? Donc, invariance veut dire que quelque chose qui ne change pas. Suivant, donc invariance des charges, on va accoler ça au système de coordonnées. Est-ce que les charges vont changer suivant la direction OX? Est-ce que les charges vont changer quand Y change? Est-ce que les charges vont changer quand Z change? Est-ce que les charges vont changer quand X change? Donc, c'est ça, les variables. Si les variables ne changent pas, le champ ne dépend pas de ce sujet. Si les charges ne changent pas suivant une variable donnée, le champ ne dépend pas de cette charge. Si les charges varient, ou bien si la distribution change selon la valeur de Z, ou bien de X ou de Y, alors on va dire que le champ dépend de ça. Maintenant, pour être plus simple, le plan est infini, donc l'axe OX est infini.
Donc, OX va être infini, OY va être infini. Maintenant, pour être plus simple, si on se met sur la direction OY, le plan est infini. On voit que si on est sur l'axe OY, on déplace sur l'axe OY, la distribution ne change pas. C'est un peu similaire par rapport au plan de symétrie, mais c'est différent. Donc, à chaque position que je prends sur l'axe OY, à chaque position Y que je prends sur l'axe OY, les charges sont toujours bleues. Je suis toujours sur les charges, en d'autres termes. À chaque position X, à chaque position que je mets ce bonhomme ou bien une personne se met sur l'axe OY, à chaque position OY, à chaque valeur Y que je prends suivant la direction OY, je suis toujours sur les charges qui sont bleues. Je ne vois jamais un changement de charge. Donc, on va dire que par translation suivant la direction OY, que signifie par translation suivant OY? Autrement dit, quand je me déplace transversalement suivant la direction OY, qu'est-ce qui se passe? Je vois toujours les charges bleues. Je ne peux pas trouver une valeur Y où je vois un changement de charge. Non. Si je fais la translation suivant l'axe OY, le plan est infini. Donc, retenez bien que le plan est infini. Jusqu'à l'infini, je verrai toujours des choses qui sont bleues. La distribution, elle est infinie. Donc, par translation suivant l'axe OY, les charges ne varient pas. Ne varient pas veut dire que reste toujours bleu. Reste toujours les mêmes. Donc, retenez ça. Reste toujours les mêmes. Mais puisque les charges restent toujours les mêmes, cela entraîne quoi? Le champ E ne dépend pas de Y. Donc, Y est une variable exclue. Le champ ne dépend pas de Y. La distribution, elle est infinie, premièrement. Donc, le plan est infini. Deuxièmement, quand je me déplace suivant la direction OY, je vois que des charges bleues. On peut mettre des charges positives partout ou bien des charges négatives partout. Mais l'essentiel, c'est que pour ne pas vous mettre en confusion, je déplace, je vois que des charges bleues. Suivant à chaque position Y donnée, les charges restent toujours bleues. Jusqu'à l'infini, ça reste toujours bleu. Alors, le champ ne dépend pas de Y. Parce que, quelle que soit la position de Y, j'ai toujours les mêmes charges qui donnent le champ. Donc, on dira que le champ ne dépend pas de Y. Y est exclu. Maintenant, il va nous rester X et Z, qui va être l'objet de la troisième session du cours. Donc, ne partez pas. Je viens avoir un nouveau lien. Comme ça, on va retrouver la direction du champ.